et bienvenue dans votre émission Inside the Race au cœur de la Transat 650. Alors que les tout premiers concurrents sont en train de couper la ligne d'arrivée à Madère, je vous propose d'aller rencontrer Brendan sur son Dingo 2 qui a été construit à Concarneau. C'est parti. Je suis Vincent Lamartin, 1957, je suis de Vannes. J'ai fait des études de marine marchande, j'ai terminé ça. Voilà, et parcours nautique, donc j'ai commencé classiquement tout ce qui est optimiste, un peu de cata. Et après, je suis parti au Glénan faire une formation croisière. Voilà, je suis devenu moniteur là-bas, et après, j'ai commencé à régater à la Trinité, donc Trinité, Questing. Un peu de match race, ça donnait des petits bronzes aussi quand j'étais à la fac, et puis après, j'ai continué sur Marseille, et régate de flotte et match race. Donc, c'était un rêve de gamin de partir traverser l'Atlantique tout seul. Bon, voilà, un peu comme tout le monde, j'imagine. Et donc, j'avais fait une première tentative, j'avais commencé à réfléchir déjà il y a 5 ans. Et avec tous les petits calculs financiers, je m'étais aperçu que c'était pas faisable sereinement, donc j'avais abandonné, enfin abandonné, mis de côté, on va dire, et repoussé de 2 ans. Quoi. Le problème, c'est de trouver des sponsors. Ça, c'est un gros problème. Moi, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé un partenaire technique, c'est Den. Donc, eux m'ont apporté du matériel au moment où j'ai acheté le bateau. Donc, ça m'a fait une économie sur l'achat, mais ça m'a pas permis de lancer un projet réel. Alors, je voulais pas le bateau de tout le monde, je voulais pas un Pogo 2. Voilà, après, quand j'ai vu le moule du D2, je me suis dit, bah, c'est celui-là. C'est soit ça un D2, soit un tip-top. Mais comme le tip-top, c'est un peu compliqué, que le D2 sortait, je me suis dit, bah, le D2, c'est très bien. Il a une bonne bouille déjà, on avait envie de monter dessus tout de suite. Après, on a des points forts comme au prêt, par exemple. Tout le monde dit que le bateau marche bien dans le petit temps. Oui et non, ça marche aussi bien que les autres. Alors le pingouin, c'est l'Izundé, donc c'est le nom du bateau. C'est un livre que j'avais là qui était une histoire de petit pingouin quand j'étais petit. Donc c'est l'école des loisirs qui faisait ça avec Michel Gay. Et moi je faisais du violon, enfin, je fais toujours. Et c'est l'histoire d'un petit pingouin qui devenait chef d'orchestre. Et l'idée m'avait beaucoup plu. Voilà. Et du coup c'est pour ça que le bateau s'appelle Bibundé et que la mascotte est là. Dans la mesure où on a un seul fils, donc en fait ça paraissait totalement simple en fait, on s'est même pas posé aucune question en fait. Hein. C'est dit tout de suite, oui bien sûr, enfin, ça paraît un peu difficile. Là ils sont là depuis une semaine sur le village de la course aussi à m'aider, donc c'est bien d'avoir cette aide et financière et humaine qui, sans laquelle on ferait rien finalement tout seul. On part tout seul mais on a toute une équipe autour, enfin une équipe. Voilà, non professionnel. Non professionnel qui aide et qui est très importante. Hein. C'est vrai que... On se retrouve demain avec les premières images de l'arrivée à Funchal et les tout premiers concurrents. Bye bye!